Monsieur, merci beaucoup. On évacue l'école là pour ce que vous proposez gentiment. Merci, monsieur. Je dis à la semaine. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour et merci pour vos présences. Nous témoignons une autre fois encore volonté nous pour accompagner handicapé moyen légion parce que c'est nous qui acteurs dans le moment ça puis parents parce que parents investis en pile dans l'éducation du monde en Haïti et puis directeur de l'école parce que concerné enseignants. Avant de placer vous placer, permettez-moi de remercier PM, Dr Gary Conny, qui hier, à l'issue du conseil de gouvernement, dit ministre, qui sont pensés, il a la visite santé. Moi-même, pour moi, comment ça a déroulé, donc, nous choisissons les canadiens haïtiens, qui sont de proximité, et PM, merci en pile pour vos amendements responsables. Malgré multiples occupations, très bien. Et on a des petits problèmes quelque part, progressivement, la visée est résolue. Et dans nos paroles, je remercie tout personnel du ministère de l'Éducation nationale, directeur départemental de l'Ouest Aguila, directeur et coordonnateur des directions départementales d'éducation du Nord. Il vient, directeur de l'enseignement secondaire, et puis le Canada qui bouge chez nous, qui permet de faire conférence de Kouessa. Merci. Alors, quand je vais sur Chita, sous déroulement examen, maintenant, dernier jour, on a fini pour prononcer officiellement, mais nous avons dit à date, nous avons une nette satisfaction par rapport à la difficulté que les élèves ont été confrontés. Et depuis quelques années, difficultés parents ont gagné parce que quand pile parents qui sont obligés de déplacer ici et là. Par exemple, selon le travail UNICEF fait, pour nous, gagner environ 360 000 parents qui quittaient le département de l'Ouest. Et de ces 360 000 parents, gagner pendant 170 000 élèves. Donc, nous, problème, jeune, le fait qu'on élève le contexte, Kachita, pour le composer, nous avons dit quand même, malgré tout problème, le pays a une chance pour nous soutenir. Et c'est un premier degré de satisfaction. Un deuxième degré de satisfaction, c'est que la société a mobilisé, parce qu'on connaît l'examen d'État, notamment le baccalauréat, son gros rendez-vous. Pour tout passer par là. Permettre passer par là. C'est lieu côté l'État dialogue à jeunesse. C'est le moment côté l'État dit bon, on va l'évaluer. On va l'évaluer l'apprentissage. Côté fait pendant de l'école, et puis il y a un papier qui reconnaît le travail, et papier ça permet tout à aller plus loin dans la vie, sur les docteurs, ingénieurs, agronomes, informaticiens. Donc ce moment important qui mobilise l'État au plus haut niveau, c'est que vous parlez d'examen d'État. Et moment ça, c'est le moment pour jeunes. Vous songez moins dans pendant l'examen. Feeling, ambiance là. Et nous avons quand même un climat, si nous avons proposé, il peut poser quelques questions, si vous pouvez proposer l'examen à la portée, parce que la direction conseillère de l'enseignement secondaire, avec l'autre instance dans le ministère, c'est bail des examens qui a rapporté, qui ont des degrés de difficulté, qui prend en compte les problèmes environnementaux, qui prend en compte les problèmes d'apprentissage, qui prend en compte toutes leurs difficultés parentales et autres qui ont gagné. Et c'est l'occasion pour me remercier la direction enseignement secondaire en particulier pour le programme de compensation. Ça permet vraiment de mieux à la hauteur. Et non, pas tout gouvernement, nous remercier
et tout professeur qui vraiment te répond présent, qui te permettent d'un bail environ 85 à 90 000 élèves, des cours de rattrapage, de compensation qui permettent à nouveau le faire. Alors, on profite de présence permanente, de visite Sahara, pour m'annoncer officiellement et la rentrée de l'année académique 2024-2025. Essayons, dans la région permanente, d'accompagner ma mère. Ma frère, nous tous connaissons, après toute discussion qui est faite au niveau du gouvernement, après toute analyse qui est faite au niveau des instances compétentes, des directions concernées du ministère, finalement, nous décidons que rentrée scolaire, année académique 2024-2025, là, après le 1er octobre. 1er octobre, c'est calendrier pour tout le monde, si vous l'école. Cependant, entrée administrative, côté tout directeur de l'école, directeur du lycée, école nationale, directeur de l'école gouvernement, dans l'école, vous commencez à recevoir parents, vous commencez à recevoir les vieux pour les questions administratives. C'est 16 septembre. Question pour si vous commencez à habituer à un environnement scolaire, à un moment difficile. Et période ça, nous-mêmes n'avons pas intervenu là-dedans. Période ça, n'a pas engagement en centre d'action que m'a parlé de nous tout à l'heure qui permet de nous mettre sur une ambiance scolaire, une ambiance académique. Et avec ça, thème nous Kimbel, c'est restaurer l'autorité de l'école. Année académique ça a déroulé autour du thème restaurer l'autorité de l'école. De façon pour permettre l'école là, redéfinir d'être comme l'école, la mission républicaine de l'école. C'est-à-dire, l'école là doit être aussi un garant. Et c'est garant ça qui permet tout le monde, toute classe sociale, faire cheminement dans la vie. Restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire, professeur de l'école là, il faut lancer le classement. Mais il faut les taper et tout. Et puis, on est très sensible sur ça, il faut payer la leur. Parce que nous avons une situation qui a des gens qui nomment, qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui nomment qui ne pas touchés. Il y a des gens qui travaillent qui ne pas nommés. C'est dans l'état des lieux, ça vient là, tout vient là. Donc, on dit que restaurer l'autorité de l'école, ça veut dire que l'école là, c'est lui qui met question. Même si on a commandé nous, même si on a bataille, il faut l'école là, si vous avez une chance de avancer. Parce que c'est très route qui était pour jeunes à l'école là. Et on dit, monsieur, dame, journaliste, qui là, merci pour la compréhension, pour avoir fait ça. Mais, on a profité de l'occasion, ça a marqué un peu de ça pour annoncer quelques mesures. Parce que PM m'avait dit, et ministre, pas simplement dit notre scolaire fait tel date, mais c'est qui me dit qui va accompagner le processus. Donc, on est.